Moi ce que je faisais en 2v2 avant, quand je jouais avec Asif, c'était Wario, Inkling, Mario. Je faisais les trois. Ah merde, le double Yoshi, on l'a ouais, oublié. Double Yoshi, du coup, le retour. Ah. Du coup, associé au premier regard qui est qualifié en winner final par disqualification. Yoshi. Double Yoshi contre Wario. Allô ? Et là, ça va mettre des nerfs, ça va mettre des teams, ça va. Allez, donne air. Double Yoshi, c'est vraiment très. Enfin, c'est aussi. Oula, le B. Il a failli être très chiant, il a failli amener son adversaire sur la gauche. Est-ce que je sais pas du tout si le shit de Yoshi est plus fort ou moins fort. Alors je sais qu'on peut pas shitbox un Yoshi. Ouais, mais est-ce que ça prend autant. Oh, oh belle ça. Est-ce que ça prend autant de dégâts sur un pound de. Un CV de. Non, il suffisait d'en parler. C'est faux. Le follow up. Et du coup, c'est un gros coup de l'ancien en main pour Wario sur le 2v2. Il y a un peu moins de dégâts, etc. Peut-être envoyer aussi un peu moins. Après, les games en 2v2 sont plus longs ou pareil que en V1? En fait, t'as plus le damage multiplicateur sur les tout est cool, il faut un peu moins de dégâts. Ok, donc en général, c'est plus long. En général, tu mets plus longtemps à mettre des pourcents, mais par contre, vu que tu te tapes plus, bah, en soi, tu vois que la game, on est déjà. Ouais, c'est vrai. Stock quasiment chacun, il reste encore 4 minutes, et là, c'est fini. Wow! Ce que j'allais dire que si les games sont plus longues, du coup, le Waft, tu peux te charger deux fois. Non, pour Waft, ça va. En fait, vu que c'est le même timer, en fait, c'est 7 minutes. Donc oui, mais game, je veux dire, il pourrait peut-être en lancer deux en une game, c'est ce que je veux dire. Bah, tu peux prendre un peu. En fait, faut pas que tu hésites un peu. Ouais. Avec Wario, je pense que l'une des stratégies, c'est vraiment d'utiliser quand tu peux, parce que ben en fait justement c'est un gros kill power quand tu peux avoir le pourcent, tu peux plus facilement le passer dans le neutral etc ou out of shield par exemple, parce que ben, les gens vont moins faire attention à cette mécanique là, donc c'est sûr que ça peut être intéressant, mais ouais par contre du coup si tu le gardes etc pour le bon moment, voilà, parce que typiquement ça peut t'offrir des stocks gratos aussi sur un bon combo game avec ton mate, où par exemple il te voilà, il y a un cerf de rondoudou par exemple qui l'amène à côté du Wario, le Wario jump ou waft, c'est la stock, elle peut être vite très rapidement. Du coup deuxième game. Cette fois-ci c'est plus. Ouais. C'est plus Wario, c'est Samus. Et on sent. Voilà, la Samus elle arrive, elle fait déjà un peu Toshi. Samus très très fort pour les deux. Ça peut se permettre de jouer patient, de jouer loin des adversaires, etc. Parce que ma ennemi fait le taf. En plus, ce soir. Avec Rondoudou qui a tendance à jouer dans les airs, ça lui, c'est un petit peu au sol. Du coup, ça se passe plus vite sur ce que vous avez fait en terre. Ça doit être fort avec un tank aussi, Samus. Là, le tank c'est un peu Rondoudou, même si c'est pas vraiment un tank, mais en gros c'est lui qui va être dans la frontline, qui va aller bourrer en fait dans les shields, etc. Les shields. Et
habituellement, mais là c'est bien un peu de mal. Hein. Malheureusement, il y a certaines choses pas grave. Samus et Romodou qui sont déjà sur le deuxième spot. Yoshi, toujours non, non, faut que t'arrêtes. Hein. Et c'est toujours Arturo qui, bah, qui prend la stock. Enfin, qui prend la stock. Bah, de rien en fait, je suis là, j'ai. je crois que tu as un pouvoir mystique sur. C'est sur la Caster Curse. Et ça remonte petit à petit, il faut peut-être prendre la stock plus restant assez rapidement parce que. Bah, de rien, il est sur cette fois, sur cette réserve, mais ça peut être un peu chiant. Alors Kero, on est 3 Mario dans la région, oui et non, parce que je sais pas si je peux compter comme vraiment joueur Mario, étant donné que j'ai commencé le jeu il y a vraiment pas longtemps et que mon niveau n'est vraiment pas vraiment dingue. Oh, très beau bon petit effet de la part de On est à double 2 stocks contre double 1 stock. Ouais. Ça va commencer à. Et ça peut vite s'égaliser rapidement. Il y a Arthur qui est déjà rentré au 100%, il y a Tristan qui est. Je pense que c'est le moment de dire ta phrase mystique contre Arthur. Là, bien évidemment, en fait, les deux Yoshi qui sont encore à 2 stocks. Mais non, il a pas l'air de pouvoir l'atteindre. Celle-là, il a pas eu envie. La fameuse Caster Curse n'était pas présente, celle-là. Ça m'impressionne toujours d'entendre les recovery de Yoshi. C'est très particulier en plus, ce genre. Ça va vraiment avoir du mal un peu à snapper l'edge de temps en temps. Donc, faut vraiment réussir à bien space, etc. Et la stopper full clear, enfin, avec un peu de délai. C'est vrai, c'est la Caster Curse avec le délai. Ah, c'est le lag God Light. Hein. C'est normal. Et Arthur qui harcèle ce Rondoudou au stage, il passe très bien, il essaye de le suivre, mais il ne peut pas trop. Ah bah 77% pour Rondoudou, ça ne peut pas partir très vite. Zenon qui a failli mettre une Sao. Non, jamais. Ouais, ouais, oh là là, les insultes. Boogie qui se fait tout seul, mais... Ça va être un peu compliqué. Surtout pour un Renoudou qui va voler très vite. Ouais, voilà. Il a volé très très vite dans la place zone. Il a volé là. Très loin même. J'ai joué à ce type de Yoshi. Il passe du coup en loser et qu'ils vont affronter et Yvan Mignor.